Nous allons nous déplacer en masse pour venir dire merci, merci et merci à mon important. Tout simplement parce que c'est l'occasion pour nous, peuple camerounais, de la diaspora, d'apporter de l'énergie, de la force à Maurice Kamto. Nous ne devons pas rater cette occasion. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater cette occasion. C'est une occasion en or. Nous devons ici à Paris démontrer au peuple français et au colon Macron que le peuple camerounais a choisi. Nous devons démontrer à Macron que nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix non négociable. Le choix s'appelle Maurice Kamto. Nous allons en parler. Encore un tout bataille. Je vais d'abord commencer ici par saluer le peuple camerounais. Je vais saluer ici l'extrême nord du Cameroun. Bonjour, Maroua. Je vais saluer ici le nord du Cameroun. Bonjour, Garoua. Je vais saluer ici le littoral, la Damawa du Cameroun. Bonjour, Gaoundéry. Je vais saluer ici l'est du Cameroun. Bonjour, Bertois. Je vais saluer ici le sud du Cameroun. Bonjour, Ebolova. Je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour, Douala. Je vais saluer ici le sud-ouest du Cameroun. Bonjour, bonjour, Boya. Je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour, Bafoussa. Je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour, Bamenda. Je vais saluer ici le centre du Cameroun. Bonjour, Yaoundé. Les amis, aujourd'hui, le direct n'est pas comme les autres jours. Pourquoi? Je vais vous dire juste pourquoi. J'ai hésité pour faire ce direct. J'ai beaucoup hésité. Bonjour, Blandine. Partageant marque de partage, je vais vous dire pourquoi. Bonjour, Franck Champagne. Pourquoi j'ai hésité pour faire ce direct? Je me demande si le peuple, si la diaspora, ceux qui représentent en quelque sorte le combat sur les réseaux sociaux, sont conscients de l'événement qui arrive. Je me pose la question si, enfin, les Camerounais vont comprendre qu'ils ont la chance d'avoir un leader comme Maurice Kamto. Je me demande, je m'interroge. Quand je vois comment on nous présente la manif du 3, ça craint. On ne peut pas ici, je vous le dis, hein, avant d'entrer dans le sujet, on ne peut pas ici venir dire aux Camerounais de sortir pour plusieurs sujets. On ne gagne pas un combat comme ça. On ne peut pas se permettre de venir dire aux Camerounais de se lever, de se devenir le 3 juin pour revendiquer plusieurs choses à la fois. Non, c'est diluer le message. Le message n'est pas fort. Le message n'est pas fort. Quand je me penche, je vois un calendrier, un programme où on met les crises, dozo, détournement, et à la fin, on vous dit, on va démontrer à Macron la force. On va demander à Macron qui est notre leader. On est incapable de donner ne serait-ce que le nom de ce leader. Là. On met le leader avec toutes les crises. On mélange le leader. Écoutez-moi très bien. Partagez. Partagez le direct. On va cogner fort. Je vous dis, nous, on peut tout dire ce qu'on veut. On peut raconter des choses sur Facebook. Bavarder. Nous sommes focus. Partageons, on va cogner fort. Stop à la manipulation. Stop. On a passé 40 ans à traumatiser le peuple camerounais, à brûler le cerveau du peuple camerounais. Stop. Vous ne pouvez pas venir devant la terre coloniale, appeler les Camerounais du monde entier à venir à Paris planter un parchemin. Vous cochez toutes les crises du Cameroun. Mais il n'y a même plus la place. Il n'y aura plus la place.
Moi, je vous le dis encore, cette tactique fait plaisir à Emmanuel Macron. Ça fait plaisir à Macron. On ne peut pas venir à Paris diluer le leader avec les autres crises. Je vais m'expliquer, partager. Je vous ai dit, les soldats de Kamto, les pro-Kamto, les bénévoles de Kamto, vous devez vous lever. Il est temps pour nous. Regardez-moi ça. Ça vous rappelle quoi? Partagez le direct. Partagez. On va mobiliser. On va mobiliser. Un seul mot d'ordre. Apporter de la force à Maurice Kamto. Et pourquoi la force? On va vous dire. On va vous démontrer ici. Que toutes les autres crises là. Tout ça là. C'est après avoir balayé le régime. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas venir demander au peuple camerounais d'aller manifester pour toutes les crises avec une tyrannie. Il faut détruire la tyrannie. On a un leader pour ça. On accompagne le leader. Le leader détruit la tyrannie et le reste suit. On pacifie le pays. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Partagez. Regardez-moi ça. Dites-moi. Si ça ne vous dit rien. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça? Regardez le monde. Ils ont répondu présent. Ils sont venus pour Maurice Kamto. Ils sont venus pour Maurice Kamto. Regardez bien. Regardez, ils sont venus pour Maurice Kamto. Regardez ça. Je vais vous dire, ce jour, il n'y avait pas 10 000 crises. Le peuple camerounais a répondu. Le peuple a répondu. Regardez ce peuple. Comment il est fou. Regardez. Vous voyez le peuple camerounais? Regardez. Vous voyez, on va en parler. Partagez le direct. Vous savez, notre seule force réside dans le partage. Partagez le direct. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, de venir diluer une fois de plus le leader incontesté et incontestable du combat. Nous devons opposer à Maurice Macron, notre leader, le porte-parole du peuple camerounais. Nous devons être fiers de servir Maurice Kamto. Nous devons être fiers de porter Maurice Kamto dans tout le monde entier. Et nous allons vous dire pourquoi. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le 3 à Paris, on vient dire merci à Maurice Kamto. Merci. Pourquoi merci? Parce qu'il a accepté porter ce combat. Il a accepté mener ce combat. Il s'est humilié. Il s'est abandonné. Pour nous, on vient dire merci. On vient dire merci. Partagez le direct. Ici, je vais d'abord commencer par dire deux mots. Vous savez, dans ce combat, vous pouvez bavarder, dire des choses, pleurer si vous voulez. Maurice Kamto veut nous habituer à un nouveau Cameroun. Vous savez, j'ai l'impression que les gens combattent le système RDPC, mais ne sont pas prêts à abandonner le même système. Je commence. Les gens combattent le système RDPC, ne sont pas prêts à abandonner le même système. Quand je vois des gens applaudir le bourreau et taper sur la victime, c'est incroyable. Les mêmes gens qui veulent changer le Cameroun. Le combattant La Panthère a été diffamé gratuitement d'avoir pris de l'argent. Et quand on vient démontrer le contraire, qu'il n'a rien pris,
Au lieu de venir faire un mea culpa, les gens se permettent de venir féliciter le bourreau. Les mêmes gens veulent changer le Cameroun. Les mêmes personnes veulent changer le Cameroun. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les mêmes gens disent qu'ils aiment Maurice Kamto, qu'ils veulent que les choses changent. Mais ils ne sont pas prêts à changer. Quelque part en eux, eux, ils adorent le bourreau. Eux, ils adorent. Voilà quelqu'un qui est diffamé, qui porte plainte. On vient reprocher à la personne d'avoir porté plainte. Tu portes plainte, pourquoi? Il fallait accepter. Il fallait laisser te faire lyncher. C'est normal. Tu te tais. Tu assumes. Tu fermes la bouche. Tu ne parles pas. Donc, quel Cameroun voulait changer? Quel Cameroun voulait changer? Et vous voulez chasser Biya. Vous utilisez les mêmes méthodes que Biya. Les mêmes méthodes que Biya. Vous savez, nous sommes prêts. Nous ne sommes que des bénévoles de Maurice Kamto. Et on va changer le Cameroun. Vous diffamez, on porte plainte. C'est comme ça. Même le président élu l'a fait. Le président élu a montré l'exemple. On veut changer les mentalités. On veut dépoussiérer les cerveaux. C'est comme ça. Quand vous parlez de quelqu'un, amenez les éléments. Amenez les éléments de preuve. Ou taisez-vous. Dans le cas contraire, taisez-vous. Fermez la bouche. Le combat est plus grand. Le Cameroun au-dessus. Concentrons-nous. Concentrons-nous dans ce combat. Concentrons-nous pour chasser la tyrannie. Merci. Donc, on va entrer dans notre direct. Je vais vous dire que moi, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Je ne sais pas si les Camerounais sont prêts. S'ils sont vraiment prêts au changement. On ne peut pas venir combattre la tyrannie avec plusieurs revendications à la fois. Ça n'existe pas. Je vous le dis encore. Ça, c'est une tactique pour diluer Maurice Kamto. Ce qui arrive, réveillez-vous, vous les pro-Kamto, vous les soldats de Kamto, vous les bénévoles de Kamto, réveillez-vous. On ne peut pas dire qu'on va combattre un régime tyrannique, combattre le colon avec 10 000 revendications. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part dans aucun pays. Non. La marche du 3, c'est une marche en soutien à Maurice Kamto. Je vous dis encore, la marche du 3, c'est une marche en soutien à Maurice Kamto. On va apporter de la force, de l'énergie à Maurice Kamto le 3. La marche du 3, c'est pour apporter de la force, de l'énergie à Maurice Kamto. Pourquoi? Parlons. Parce que Maurice Kamto est le seul aujourd'hui, c'est le seul qui a accepté mener ce combat. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Maurice Kamto a accepté mener ce combat. Il a dit oui. Il a accepté affronter le régime en face, affronter le colon en face. Nous devons fédérer derrière lui. Nous devons tous fédérer derrière Maurice Kamto. Et je vous dis une chose. Si nous mettons ensemble derrière Maurice Kamto, les choses vont avancer. Écoutez-moi très bien. Emmanuel Macron, d'ailleurs chez lui, il n'est même plus populaire. Se voit. Hein? Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est contesté même dans son propre pays. Vous avez vu les images ont circulé. Il est contesté même dans son propre pays, déjà. Ils sont allés plus loin avec la gifle. Nous devons apporter une deuxième gifle à Macron. Nous devons apporter une deuxième gifle. Pas une gifle physique. Non, nous sommes des gens non violents. Nous sommes non violents. C'est l'occasion pour nous, l'occasion à Paris, à la place de la République, de démontrer à Emmanuel Macron qu'on a choisi. Qu'on a choisi. Voici le représentant du peuple camerounais. On a fait un choix. Notre choix, c'est Maurice Kamto. Et pourquoi on a fait le choix? On va revenir là-dessus. On nous devons démontrer à Emmanuel Macron, à la place publique,
que le peuple a choisi. Nous devons communiquer sur ça. Nous devons apporter de la force à Maurice Kamto. Nous devons l'aider dans son combat. Nous devons l'aider dans son combat. Emmanuel Macron, aujourd'hui, attend une seule chose. Il attend une seule chose. Que la marche soit un échec. Échec. Comment l'échec? La marche peut être un échec parce qu'on a boycotté, les gens ne veulent pas. Pendant que l'on mobilise, au même moment, d'autres font des directs pour distraire le peuple. Je vous le dis, hein. Je dis aujourd'hui, on va taper pour mobiliser. La marche peut être un échec parce que pendant qu'on mobilise, d'autres, au même moment, font des directs pour distraire le peuple. Et ne pas parler de la marche. Deuxième élément, la marche peut ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que les gens viennent, au lieu de communiquer sur Maurice Kamto, ils veulent communiquer sur autre chose. Et ces jours-là, les gens se présentent avec plusieurs revendications. Pour la France, c'est tout bénef. Pour la France, c'est génial. C'est ce qu'elle cherche. C'est une preuve tangible que Maurice Kamto n'est plus populaire. Je vous le dis aujourd'hui. C'est une preuve tangible que Maurice Kamto n'est plus populaire, ne mobilise plus. Si on vient à la place de la République présenter plusieurs problèmes, revendiquer plusieurs problèmes, en diluant Maurice Kamto avec les autres crises, ça démontre que ce n'est même plus le leader qui porte les crises. Le leader suit la crise. Et ce leader suit la crise, pourquoi négocier avec quelqu'un comme ça? Pourquoi prendre quelqu'un comme ça en considération? Non! Donc on s'en fout, on continue. On continue. On vient vous faire croire que si on met uniquement Maurice Kamto devant, ça ne va pas fédérer. Foutaise. Foutaise. Je vous ai montré des images ici, en février. Le monde est sorti pour Maurice Kamto. Nous devons avoir la force et le courage d'assumer notre leader. Si on veut combattre la tyrannie, nous devons avoir la force, le courage d'imposer notre leader comme la seule alternative. Le peuple doit imposer son leader, Maurice Kamto. Voilà pourquoi nous devons nous retrouver à Paris avec un seul nom. Je vous le dis, un seul nom. Tout le reste là, c'est de la distraction. N'acceptez plus. On a trop dilué le président élu. On l'a assez dilué. Et on continue à le faire. On vous présente un programme avec plusieurs crises. En bas du programme, on met la fin. On va démontrer à Macron qui est notre leader. On est incapable de mettre même son nom. Mais oui, on prend un programme, le programme du 3. Nous, on va dénoncer. Nous, on va dénoncer. Ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas diluer Maurice Kamto une deuxième fois. C'est faux. On vous sort un programme. Ce programme-là, on vous donne les noms des crises. Telle crise, telle crise, telle crise. À la fin, on dit on va démontrer à Emmanuel Macron qui est notre leader. Vous foutez de la gueule de qui? Du peuple? Du peuple? Non. Non. Le peuple doit dire non. Non à ça. Maintenant, pourquoi nous devons soutenir Maurice Kamto? Nous devons soutenir Maurice Kamto parce qu'à l'heure actuelle, je vous le dis aujourd'hui, on ne peut résoudre aucune crise avec ce gouvernement. On ne peut résoudre aucune crise au Cameroun avec ce régime. Aujourd'hui, on ne peut résoudre aucune crise. Vous pouvez crier, monter, descendre, faire tout ce que vous voulez, du lobbying. On ne peut rien résoudre aujourd'hui avec ce régime. On ne peut rien résoudre. On ne peut rien résoudre avec ce régime. J'arrive. Je vais entrer dans le sujet. Je vous dis pourquoi nous devons soutenir Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, toutes les crises que vous passez le temps à citer ne peuvent pas trouver de réponse avec ce régime-là.
C'est faux. Oubliez. Voilà des gens qui sont capables de manger 180 milliards devant vos yeux. Voilà un gouvernement où on convoque la moitié des ministres au tribunal. Ça vous dit quoi? On ne peut trouver aucune réponse avec ce régime. Par contre, si on arrive à renverser la tyrannie, on aura des réponses aux crises. Je commence. Si on arrive à renverser cette tyrannie-là, on aura la réponse à toutes les crises. Il y a des exemples. En Afrique du Sud, avant l'arrivée de Mandela, on a tout fait, rien. On a fait des réunions, des trucs, rien. Rien. Mandela est venu au pouvoir, on a résolu toutes les crises. Aujourd'hui, le Camerounais ne fait plus confiance à ce régime. Le Camerounais a peur de ce régime. Le Camerounais ne sent pas en sécurité dans son pays. Et comment voulez-vous résoudre un problème avec le même régime? Faux. Faux. Je vous dis encore, faux. Et c'est impossible. J'arrive. Je vous dis, je vais, on va tout exploser aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Par contre, si on a un leader, ce leader-là, pourquoi il s'est levé? Je vous pose la question. Pourquoi Maurice Kamto s'est levé? Maurice Kamto s'est levé parce que le peuple souffrait dans sa chair. Donc, Maurice Kamto s'est levé pour mettre fin à toutes les crises. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre le pourquoi Maurice Kamto est important aujourd'hui dans ce combat. Nous devons mettre Kamto devant. Je recommence. Maurice Kamto s'est levé pourquoi? Maurice Kamto s'est levé parce que les Camerounais pleuraient. L'eau, l'électricité, les hôpitaux, les infrastructures, tout, les détournements, tout. Il s'est levé pour se battre. Il s'est levé pour qu'enfin, nous on retrouve la lumière. Enfin, qu'on arrive à créer dans notre pays une classe moyenne. Qu'enfin le Camerounais soit respecté dans son propre pays. D'abord, je viens. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous, on a un leader qui porte nos revendications. Ce leader-là, il connaît nos difficultés. Il connaît pourquoi le peuple souffre dans sa chair. Il se bat pour ça. Il a tout sacrifié. Il a résisté à l'intimidation, à tous les maux. Il a résisté. Il a dit et il a promis, je ne vous trahirai jamais. Ce leader a décidé de porter le combat. Nous devons l'accompagner. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte d'assumer notre leader. Maurice Kamto est notre leader. Maurice Kamto, il est majoritaire au Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas, Maurice Kamto est majoritaire au Cameroun. On l'a vu le 1er. Le 1er février, il y avait du monde. On l'a vu. Maintenant, pour démontrer à M. Macron que nous, le peuple camerounais, on a un leader, notre guide, notre président, parce qu'il a été élu. Le 3, nous devons faire bloc derrière lui. Ne venons pas avec l'idée de la crise au Nozo, de la crise ici, de la crise là-bas, de ceci, là. Non! Tout ça est porté par Maurice Kamto. Nous devons être fiers de venir dire à Macron, voilà, je soutiens Maurice Kamto parce que je sais qu'avec lui, la guerre au Nozo va prendre fin. Je soutiens Maurice Kamto parce que je sais qu'avec lui, il n'y aura plus de crise de la CAN. Je soutiens Maurice Kamto parce que je sais qu'avec lui, il n'y aura plus de détournement. Je soutiens Maurice Kamto parce que je sais qu'avec lui, il y aura des infrastructures. Je soutiens Maurice Kamto parce que je sais qu'avec lui, il y aura de l'eau, de l'électricité, tout. Je soutiens Maurice Kamto pour ça. Voilà le message que nous devons passer à Paris le 3. On ne peut pas mettre Maurice Kamto avec toutes les crises. On ne peut pas diluer Maurice Kamto. Quand on dilue Maurice Kamto, on fait la force du régime. On aide M. Macron. On n'est pas différent de ceux qui ne font pas, qui ne parlent pas du droit. Quand on vient diluer Maurice Kamto,
Il n'y a aucune différence avec celui qui ferme sa bouche, parle d'autres sujets et ne parle pas de la manif du 3. Je vous le dis. Ce n'est pas possible. Nous devons faire bloc. Communiquons en masse autour de Maurice Kamto. Ne laissons pas, une fois de plus, qu'on vient diviser cet homme-là. Maintenant, on continue. Je vous prends un exemple simple. Peuple camerounais, je vous prends un exemple simple, très simple. Laurent Gbagbo a fait 10 ans en exil. Il est en train de rentrer chez lui. Je pense au 17. Il y a une préparation pas possible. Le peuple ivoirien prépare l'arrivée de Gbagbo et défie le régime en place. Ils sont en train de préparer l'arrivée de leur champion. Ils ne vous ont pas dit qu'ils préparent l'arrivée de d'autres crises. Ils sont en difficulté, mais ils sont convaincus qu'avec leur champion, les choses peuvent aller. Ils sont en train de préparer le retour de Laurent Gbagbo. Partout, tu entends Gbagbo, 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 Gbagbo. C'est au Cameroun qu'on trouve. C'est au Cameroun. Le Cameroun est toujours formidable. Le Camerounais est toujours formidable. Le Camerounais connaît plus que. Il connaît même plus que son créateur. Je vous dis, à l'heure actuelle, il n'y a pas de débat en Côte d'Ivoire. C'est chez nous qu'on se tire par médias interposés. Non, non, non. On ne peut pas seulement mettre Kamto. Il faut qu'on doit parler du Nozo. On doit parler du ceci. On doit parler. Si on met seulement Kamto, c'est au Cameroun qu'on voit ça. C'est uniquement au Cameroun qu'on voit cette mentalité-là. Le Camerounais, il est formidable. C'est au Cameroun qu'on voit où on va dire aux gens, on va dire au peuple, non, 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 si vous parlez que de Kamto, mettons, on vous sort tout un document, un livre, avec plusieurs revendications. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Parce que tout le monde veut être roi. Tout le monde veut être chef. Je vous dis, à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, on prépare l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il y a des posters qu'on a commencé à mettre partout dans la ville, à afficher partout en Côte d'Ivoire. Les fauteuils géants avec Gbagbo, partout en Côte d'Ivoire. Des gars sont allés défier l'autorité en place. Ils n'ont qu'un seul nom dans la bouche. Un seul nom, Laurent Gbagbo. Ces gars ont un seul nom. Un seul. Ils n'ont pas deux noms. Non, ils n'ont qu'un seul nom. Laurent Gbagbo. Dans la bouche, à l'heure actuelle, ils n'ont pas dit. Donc, on va parler de Gbagbo et parler pourquoi il était à ce pays, et parler pourquoi la Côte d'Ivoire est comme ça, et parler pourquoi la Côte d'Ivoire est divisée. Non! Ils ont un seul nom dans la bouche. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Nous, au Cameroun, nous sommes incapables d'assumer celui qui a décidé de prendre ce combat en main. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables d'assumer celui qui a dit « Je veux me battre pour vous. » Non, ça nous dépasse. Mais vous ne vous rendez même pas compte que vous jouez le jeu de Macron. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous venez démontrer à Macron qu'on n'a pas de leader fort. Vous venez démontrer à Macron qu'il a raison. Mais je ne comprends pas. Vous venez dire à Macron, Macron, tu as raison. Il n'y a pas de leader au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe, peuple camerounais? Vous venez dire à Macron qu'il a raison. Qu'il n'y a aucun leader. Quand vous sortez des programmes aussi longs, vous venez dire à Macron que non, notre problème, c'est tout ça. On n'a pas de leader. Et vous croyez que Macron va respecter Maurice Kamto? Non. Voilà pourquoi Macron peut se permettre le matin de mettre Kamto en résidence surveillée, le soir de mettre en prison. Il peut faire de Kamto ce qu'il veut. Parce qu'au Cameroun, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas derrière ce leader-là. Nous n'assumons pas. Nous n'assumons pas. Nous devons être capables aujourd'hui de dire stop, on vient à Paris apporter de la force à Maurice Kamto. On vient à Paris dire merci à Maurice Kamto. Pourquoi?
On vient dire merci à Maurice Kamto. Voilà. On vient dire merci à Maurice Kamto. Parce qu'avec Maurice Kamto, on va mettre fin à toutes les crises. Oui, ça s'est passé ailleurs. Maurice Kamto est l'alternance. Point. Maurice Kamto est le leader. Point. Maurice Kamto est le porte-parole du peuple. Point. Est-ce qu'il y a un autre? Depuis qu'on vous demande de montrer un autre leader, il n'y en a pas. Il y a un autre. Il y a un autre. Pourquoi vous cherchez à diluer Maurice Kamto? Il y a un autre leader? Non, il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un autre leader au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Venez le 3. Venez le 3 apporter de la force à Maurice Kamto. Venez le 3 dire non à Macron. Venez le 3 encourager le président élu. Encourager le président élu. Parce qu'il est la solution à toutes les crises. Il est la solution à toutes les crises. Qu'on ne vous trompe pas. Il est la solution à toutes les crises. Venons le 3. Venons le 3 donner de l'énergie. Venons le 3 démontrer à Macron, à M. Macron, qu'il ne peut pas nous imposer un autre leader. Qu'il ne peut pas. Venons dire non à la Centrafrique. Venons le 3 donner de l'énergie. Encourager Maurice Kamto à continuer ce combat. Pas deux messages. Non. On a un seul message. Un seul message. On n'a pas deux messages. On n'a pas deux messages. On a un seul message. Un seul. Ce jour-là, quel que soit le t-shirt que vous allez porter, venez avec Kamto. 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 Quand Macron prend son téléphone, il dit, ah bon, oui, les gars sont prêts. Ils sont dehors. Ils sont déterminés. Ils sont là. Quand Joe Biden prend son téléphone, il dit, mec, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Les gars sont derrière Maurice Kamto. Les gars sont prêts. Celui qui combat Maurice Kamto combat le Cameroun. Celui qui fait semblant, parce que aujourd'hui, les gens font semblant d'être là le 3 en passant des messages contradictoires. Oui, on ne va pas parler que de Maurice Kamto. Il y a d'autres crises. Eux, ils parlent plus de crises que de Maurice Kamto. Mais c'est ce que Macron veut entendre. Moi, je vous le dis. Macron veut entendre ça. Macron déteste le nom de Kamto. Macron n'aime pas le nom de Kamto. Macron n'aime pas Kamto. Macron n'aime pas Kamto. Voilà pourquoi je vais reçu Kamto. Macron n'aime pas. Imaginez-vous un instant, vous venez chanter le nom de Kamto à Paris. À Paris. Mais Macron déteste ça. Macron n'aime pas. Macron n'aime pas. Non. Macron veut que vous venez chanter plusieurs éléments à la fois. Voilà pourquoi cette vidéo-là a fait très mal. Très, très mal à l'audience. Ça. Ça fait mal. Ça. Voilà, c'est ça qu'on va revoir le 3. C'est ça qu'on va voir le 3. C'est ça. C'est cette image qu'on va voir le 3 à Paris. Une seule personne. Une seule personne. Maurice Kamto. C'est ça. Le 3 à Paris, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça. Macron n'aime pas ces images-là. Il n'aime pas ces images. Il déteste ça. Il n'aime pas ça. Regardez la foule. Regardez la foule. Regardez la foule. Vous voyez? Merci à tout le monde. Merci, merci. C'est arrêté vraiment une journée très tranquille. Ici.
Ici, il y a pas toutes les crises, hein. On parle d'une seule, d'une même voix. Maurice Kamto. Ici, c'est le 1er février. On ne parlait pas d'autres crises. Ça fait mal à Paris. Très, très mal. Et Paris a pris une décision. Paris est sûr qu'on ne pourra pas reproduire ça. Je vous le dis. Ils sont convaincus. Et ils mettent tout en œuvre. Tout. Vous voyez, il y a trop de distractions ces derniers temps. Il y a beaucoup de distractions. C'est pas pour rien. Paris est sûr et Paris est décidé, déterminé que ça ne va pas marcher. Et ils ont eu, je vous dis, hein, ces images-là, ces images, Paris est convaincu qu'on ne pourra pas reproduire ça. Paris est convaincu. On ne pourra pas reproduire. Et ils sont sûrs d'eux. Et ils sont sûrs qu'on ne pourra pas reproduire ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas du nom de Kamto devant. Non. Ils ne veulent pas le nom de Kamto. Rappelez-vous, le 1er février, quand on mobilisait avec quel nom? Maurice Kamto. Le président élu arrive. Le président élu arrive. On parlait du président élu. D'un seul nom, Maurice Kamto. Ça fait mal à Paris. Paris ne veut pas. Et ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Ne tombons pas dans le piège. Je vois trop de distractions. Trop de distractions. Nos frères font des directs pour insulter les autres, insulter à gauche. D'autres pleurent. D'autres... Il y a trop de distractions en ce moment. Trop de distractions jouent le jeu. Ça fait le jeu de la France. Les amis. Trop de distractions. Nous, on contribue à aider Macron. Parce qu'il a décidé que ça va être un échec. Et nous, on va contribuer à ça. Depuis 60 ans, on nous met dans le bateau et on continue. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Trop de distractions. Les Camerounais, quand on parle mobilisation, ils ne sont pas là. Dès qu'on parle Japap ou Congo, ça, et ils sont remplis. Pas partout. Les mêmes vont pleurer qu'on vole 180 milliards. Vous croyez qu'on peut? Comment on peut trouver une solution avec des gens qui pillent le pays? Comment on peut trouver une solution? Si vous ne soutenez pas Maurice Kamto, vous allez soutenir qui? Le leader, l'opposant qu'on a voulu... l'homme qu'on a voulu opposer à Maurice Kamto, pour diluer le combat, vous a dit qu'il a mangé 1 million, c'est fini. Il n'est plus dans le combat. Vous n'avez pas compris. Il n'y a plus personne, je vous dis. Quand vous tombez, il n'y a plus personne. On vous parle de l'alternance sur le peuple. Quel peuple? Toujours les mots pour diluer Maurice Kamto. Pour éloigner Maurice Kamto. Pour... Putain, c'est pas vrai. Pauvre Cameroun. Pauvre. C'est les mêmes qui vous ont dit le nom de Maurice Kamto divisé. Qui vous disent que l'alternance sur le peuple, on sort toutes les alternances du monde. Non! L'alternance, c'est Maurice Kamto. Et c'est vrai. Il y a qui d'autre? Donnez-nous. Le peuple a déjà choisi. Et nous devons démontrer le droit que le peuple a choisi. Qu'on arrête de vous distraire avec des alternances de gauche à droite. L'alternance, c'est Maurice Kamto. S'il y en a, s'il y a encore de lui, le peuple a fait son choix. Il a été élu en 2018. Point! Il est l'alternance. Et aujourd'hui, il est encore le seul qui porte notre message. C'est le seul. Il est le seul qui porte encore notre message. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Dites-moi. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Comment pouvez-vous dire à vous qu'on vient à Paris parler d'autre chose? Non! On vient à Paris parler de Maurice Kamto. On vient à Paris montrer à Paris et à New York que le peuple a fait un choix. On vient à Paris dire qu'avec Maurice Kamto, on va mettre fin à la guerre aux oiseaux. Fin au détournement. Fin à la corruption. Fin on va reconstruire les infrastructures. On va construire des hôpitaux, des écoles et tout. On va créer une classe moyenne. On vient à Paris dire qu'avec Maurice Kamto, avec Maurice Kamto, Macron d'entendre ça. Avec Maurice Kamto, on va faire ça. Ça.
On va changer de régime pour construire le nouveau Cameroun. On va changer de régime. Mais si on vient à Paris dire, on a un problème du nozo. Mais le nozo, fait, ça fait 6 ans. Les amis, ça fait 6 ans le nozo. Avant les présidentielles, il y a le nozo. Si on vient à Paris dire, on n'a pas de route, ça fait 60 ans qu'on n'a pas de route. Si on vient à Paris dire, on détourne l'argent, ça fait 60 ans qu'on détourne de l'argent. Ça va changer quoi? Macron va vous entendre comme d'habitude et dire, quand je vais être content, on va libérer un prisonnier politique. Parce que c'est lui qui décide au Cameroun. C'est Emmanuel Macron qui décide au Cameroun. Et personne d'autre. C'est Macron qui décide au Cameroun. Nous devons venir à Paris passer un message fort. Le 3, un seul sujet, Maurice Kamto. Un seul sujet, pas deux. On vient ici donner de l'énergie et de la force à Maurice Kamto. Point. Point. On vient donner de l'énergie et de la force à Maurice Kamto. C'est tout. On ne vient pas pour autre chose. On vient apporter de la force à Maurice Kamto pour qu'il continue ce combat. Parce que si Maurice Kamto ne continue plus, c'est fini. Tous ceux qui bavardent là, qui vous racontent des bêtises que c'est le peuple, la terre, son peuple. Si Kamto n'est plus là, c'est terminé. Avant d'avoir Kamto, on a attendu combien d'années? John Fondi nous a roulé dans la farine en 92. Vous avez oublié? Le peuple a soutenu John Fondi. Il a pris l'argent, il est parti. On a attendu plus de 20 ans pour avoir Maurice Kamto. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans pour avoir un homme comme Maurice Kamto. Si nous ne fédérons pas derrière lui, si nous n'apportons pas de la force à Maurice Kamto, et la diaspora, elle est puissante. La diaspora est la deuxième force économique du Cameroun. Si nous ne nous mettons pas derrière lui, Macron va comprendre que c'est fini. Voilà. Arrêtons la distraction et concentrons-nous. Le 3. Rendez-vous le 3. On va multiplier les tirées de sensibilisation. Multiplier les tirées de sensibilisation. Jusqu'au 3. Et on va toujours vous dire une chose. Le 3, c'est Maurice Kamto. Mettez, collez, vous dites, le 3, c'est Maurice Kamto. Le 3, c'est Maurice Kamto. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est Maurice Kamto, le 3. Le 3, on vient pour Maurice Kamto. Le 3, nous venons pour Maurice Kamto. Et rien d'autre. N'écoutez rien d'autre. Le 3, nous venons pour Maurice Kamto. C'est le message qui est clair. Chacun sort chez le 3 pour venir dire merci à Maurice Kamto. Tu quittes à New York, tu viens à Paris. Che Macron dit merci à Maurice Kamto. C'est fort. Ça tape fort. C'est fort. Tu quittes n'importe où. Tu viens à Paris donner de l'énergie, de la force à Maurice Kamto. Paris va avoir peur. Paris va trembler. Paris va dire, mais c'est quoi ça? Paris va paniquer. Pas un autre discours, un seul discours. Rien d'autre. Je dis bien rien. Parce que l'alternance, c'est Kamto. Qu'on ne vous trompe pas. L'alternance, c'est Kamto. C'est ça. Que vous aimez les membres d'alternance ou pas. Ce n'est pas nous, l'alternance. C'est Maurice Kamto. Ça ne peut pas être le peuple. Ça ne peut pas être autre chose qu'on vous crée partout. Il faut assumer le nom de Maurice Kamto. L'alternance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et on vient donner de la force à Maurice Kamto. Point. Terminé. Point. Mobilisons autour de Maurice Kamto. Les Camerounais vont répondre présent. Attention, ne tombons pas dans le piège de Macron. Je vous ai dit ici, la semaine passée, de faire attention. Ne tombons pas dans le piège de Macron. Parce que ce jour-là, ils vont balader leur caméra pour venir vous sonder.
voir si vraiment nous sommes unis pour Maurice Kamto. Si nous sommes là pour apporter de l'énergie et de la force à Maurice Kamto. Et ils vont venir faire ce travail-là. Et ils vont venir vous sonder, voir. Ils vont venir voir avec leur caméra, en civil. Ils vont vous entendre dire, non, je ne suis pas venu pour Maurice Kamto, c'est venu pour ça, blabla, blabla. C'est toujours au Cameroun qu'on voit ça. Toujours au Cameroun. Toujours. Nous, on vient, nous trois, apporter de la force pour Maurice Kamto. Point. Nous, on va sortir par là. On revient peut-être demain ou après-demain. On coupe la mobilisation. L'attenant, c'est Maurice Kamto. L'attenant, c'est Maurice Kamto. Et il n'y a rien d'autre à dire. Le 3, c'est une grande fête. C'est une fête. Le peuple camerounais. Le peuple camerounais d'Algérie. Le 3 va montrer à Macron qu'on ne peut plus choisir à leur place. Qu'on ne peut plus choisir à sa place. Terminé. Le peuple camerounais est la constitution du Cameroun. C'est nous la constitution du Cameroun. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'appartient pas au régime. Et on a Maurice Kamto. Le représentant du peuple, c'est comme ça. On a fait un choix. Soit c'est Macron, soit c'est le peuple avec son représentant qui est Maurice Kamto. N'acceptez plus la distraction. N'acceptez pas. Macron attend juste une chose. Macron attend. Macron veut à tout prix que ça échoue. Et il attend. Quand on met plusieurs sujets, il est content. Quand on mélange Maurice Kamto avec plusieurs autres sujets, Macron, il est content. On va refuser. En musique, on danse, on est fiers. Nous sommes les pro-Kamto. Et le peuple camerounais est majoritaire derrière Kamto. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai montré ici le premier. Le premier, vous avez vu la démonstration qu'on a fait le premier ici, à Paris. Vous avez vu par vous-même, le peuple a dit non à Macron. Et Macron a pris rendez-vous le 3. N'acceptez aucun autre discours. Aucun autre discours. Ouvrez les yeux. Regardez bien ceux qui font la distraction. On vous dit que c'est le président élu qui arrive. Ouvrez les yeux. Le président élu arrive. Regardez la distraction. Regardez. Soit on vous fait croire que ce n'est pas seulement Maurice Kamto, c'est 10 crises, c'est 10 personnes. On met toutes les crises, nos os. Je vous dis encore une chose ici. On ne peut pas résoudre une crise au Cameroun avec ce régime. Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas possible. On ne va pas résoudre une crise au Cameroun avec ce régime. Le peuple a choisi son représentant avec Maurice Kamto. On va nettoyer le régime pacifiquement et on va résoudre les crises après. Maurice Kamto, nous on l'a choisi parce que nous on sait qu'il est la solution à toutes les crises. Nous l'avons choisi parce qu'il est la solution à toutes les crises. Il faut installer Maurice Kamto. Et le reste suivra. Toutes les crises. Qu'on ne vous trompe pas. Et ce discours-là, Macron n'aime pas. Macron n'aime pas. Dans tous les cas, nous on va toujours communiquer sur un seul point. Le 3, c'est le jour où le peuple de la diaspora est venu démontrer à Macron qu'on a fait un choix. N'oubliez pas, c'est un jour historique. On l'a vu dans d'autres pays.
Je vous dis à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo préparent le retour de Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas deux mots dans la bouche. Il n'y a pas deux crises. Il n'y a pas deux crises. Ils ont un seul mot d'ordre. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Assumons notre leader vivant. Faisons donc de soi. Oublions-nous. Mettons Maurice Kamto au-dessus. Mettons Maurice Kamto au sommet. Arrêtons ce jeu. Je vous dis encore, ouvrez les yeux. Nous sommes à, je crois, 3 semaines de l'événement. On vous amène dans la discussion. Pendant qu'on fait les directs pour sensibiliser, d'autres font les directs du Kombosa. D'autres vous disent des trucs. D'autres vous disent que non. Le 3, ce n'est pas ça. Le 3, c'est ceci. Le 3, c'est cela. Merci. Je vous aime.